Quelle est votre vision du bonheur ? Ah ben moi, je n'ai pas de vision du bonheur. Je suis pas, n'étant pas philosophe, en tant que personne, je me garderais bien d'avoir une vision du bonheur. Non, disons, je suis un peu un observateur du bonheur. C'est pour ça que, par exemple, j'ai eu l'occasion de voir des films qui traitent du bonheur. Vous êtes réalisateur, d'ailleurs, vous venez de me dire que vous êtes le réalisateur français qui a fait le plus de films. Non, pas français. Ah, pas tout court. Tout court. C'est ce que disent certains historiens. C'est vrai. Du monde. Oui, bien sûr. Ah, j'avais compris. Ben, les gens en France, on est une des capitales avec les États-Unis du cinéma, donc voilà. Vous avez fait combien de films? Alors, si on compte à minima, ça doit tourner autour de 430 films. Mais si on compte, par exemple, chaque cinématon, chaque portrait de mes différentes séries, comme cinématon, lire, couple, portrait de groupe, alors là, ça fait plus de 5000. Enfin, c'est presque incalculable. Et vous avez parlé du cinématon, c'est quoi le cinématon? Alors, le cinématon, c'est un travail que j'ai commencé il y a très très longtemps, au début de l'année 1978, et qui consiste à filmer toutes sortes de personnalités du milieu artistique et du milieu du spectacle, au sens large, des gens du cinéma, de la peinture, de la littérature, de la musique, etc. etc. Ils sont tous filmés selon les mêmes conditions, ils ont tous le même concept. À savoir, donc, ils sont filmés en gros plan, dans un plan séquence qui dure 3 minutes et 20 secondes, en cinéma muet, il n'y a qu'une seule prise, et chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Alors à ce jour, il y a 2638 cinématons, et donc l'ensemble des cinématons maintenant doit faire environ 176 heures. Alors ça fait évidemment beaucoup, mais il y a régulièrement des grandes intégrales qui ont lieu, où sont présentées, donc tous les cinématons du premier au dernier, et il y en a eu trois, récemment. Il y en a eu une à Chalon-sur-Saône, au musée de la photo, au musée Nice et Forniebs. Il y en a eu une à Lucca, en Toscane, et il y en a eu une à New York. Voilà. Donc tout était montré. Je vais aller à celle de Mais Toscane. Ça, c'est fini. C'est fini, dommage. Bon, parce que j'ai vu, en plus c'est étonnant, ce que vous avez commencé en quelle année? J'ai commencé le 7 février 1978. Donc, et j'ai vu celle de Gérard Jugnot. Et en fait, ils sont tout jeunes, quoi. Vous avez... Jugnot, je l'avais filmé en 85. Donc c'est drôle de revoir des figures du cinéma, de tous les milieux artistiques, avec leur petite bouille encore de post-adolescent. Peut-être pas post-adolescent. Non, parce qu'il est déjà chauve. Il a été vite chauve. Mais oui, c'est vrai. Et puis j'ai filmé, par exemple, certains grands acteurs quand ils étaient enfants. Par exemple, enfin, adolescent, par exemple, Sandrine Bonner, je l'avais filmée, elle avait 15 ans, ouais. 82. Et puis j'avais filmé aussi, comment elle s'appelle, Julie Delpy, elle devait avoir 14 ans. Ouais. Et donc, voilà, donc c'était intéressant de les avoir. Là, par exemple, en ce qui concerne Sandrine Bonner, c'était son premier film. C'était le tout début de sa carrière, donc ça, c'était intéressant. Waouh, vous avez lancé! Je ne l'ai pas lancée parce qu'elle était déjà pressentie pour jouer dans le film de Maurice Pialat, À nos amours, mais c'était avant le film. Ok. Alors moi j'ai fait mes devoirs avant de venir. Ah bon? Hier soir j'ai regardé Le Bonheur de Agnès Varda. Ah, ça c'est très bien. Parce que ce qui serait intéressant de voir avec vous, c'est justement comment le cinéma, comment le cinéma a traité ce thème du bonheur, quoi. Et le film de Varda, c'est étonnant parce que graphiquement c'est très beau. C'est très pur, je sais pas comment, parce que moi je ne connais pas bien le cinéma, et c'est dérangeant en même temps, ce film, tout est, c'est pas dérangeant et en même temps c'est extrêmement dérangeant, c'est très bizarre, je ne sais pas. Oui, bah, des films qui traitent du bonheur, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, il y en a énormément, ça, alors là, bon, mais des films qui s'appellent Le Bonheur, il y en a beaucoup. Évidemment, il y a celui d'Agnès Varda, qui est un film de 1965. Il y a aussi un film très étonnant, qui est pour moi un très grand film, de Alexandre Medvedkin, qui était un cinéaste soviétique, et qui a tourné un film qui s'appelle Le Bonheur en 1932, et qui était un des derniers films muets soviétiques. Après, on est passé au parlant, donc c'est un des derniers films muets. Mais en même temps, moi, je ne comprends pas le russe, donc c'est très bien en muet. Voilà, et donc, c'est un film, vraiment, c'est une sorte de... C'est très poétique. Et c'est très allégorique. En fait, c'est l'histoire d'un paysan. Alors, c'est à l'époque tsariste, après, on passe à l'époque communiste. Et donc, sa femme en a marre de lui, à un moment donné, lui dit, voilà, bon, tu t'en vas, tu vas chercher le bonheur, et quand tu l'auras trouvé, tu le ramènes.
Et tout le film, ce sont des allégories. Et c'est très étonnant parce que il y a une vision russe, c'est-à-dire quand on connaît un peu la culture russe, ils ont une vision du bonheur qui est très différente de la nôtre, je pense. Ils sont beaucoup plus optimistes. Ils sont beaucoup plus optimistes. Ah bon, les Russes? Ah bah oui, parce que s'ils n'avaient pas été optimistes, je pense qu'ils auraient tous succombé pendant le communisme, quoi. Et Medvedkin, c'est un cinéaste qui est très. En même temps, il a beaucoup de naïveté, ce qui fait qu'il est vraiment. C'est vraiment un artiste. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est-à-dire que quand il a fait Le Bonheur, il a beaucoup utilisé le travail qu'il avait fait avant. Il a fait un travail extraordinaire qui a duré, je pense, plusieurs années. Il a inventé un concept en Union soviétique qui avait donc l'aval des autorités soviétiques. Il a créé un ciné-train, donc un train qui voyageait donc en Russie, et peut-être d'ailleurs qui dépassait la Russie, qui est peut-être allé dans d'autres républiques comme l'Ukraine, et qui allait donc dans des endroits reculés de la Russie pour voir comment ça se passait dans les campagnes, pour voir comment ça se passait dans les usines. Et donc dans ce ciné-train, il y avait plusieurs wagons. Donc il y avait un wagon avec tout le matériel. Alors on était en 35 mm, le matériel était énorme à l'époque. Cool, ouais. Il fallait plein d'assistants pour transporter la caméra par exemple. Et donc il y avait un wagon où on faisait le montage. Après il y avait un wagon où on développait les films 35 mm évidemment. Moi je veux le même train pour voilà. Moi. Et en plus le dernier wagon, c'était un wagon qui transportait une sorte, alors c'était pas une Jeep, mais c'était une grosse voiture, camionnette qui pouvait rouler dans des endroits où il n'y avait pas de route, où c'était des pistes, où il n'y avait pas de goudron. Quoi. Et donc, il y avait un système, on pouvait faire sortir ce petit camion. Voilà, ils sortaient du train et hop, ils partaient, ils allaient par exemple à 10 km, ils allaient filmer un kolkhoz. Et donc, le principe, c'était de filmer par exemple, de voir comment ça se passait dans les kolkhoz, de filmer les réunions de travail après entre les paysans, de faire pareil dans les usines, après de filmer les soviets, comment ça se passait, les réunions, les gens discutaient, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc, c'était un témoignage absolument incroyable de pouvoir voir sur place comment ça se passait dans la Russie profonde. Les gens de la Russie ne savaient pas comment ça se passait, parce qu'on n'avait pas la possibilité de voyager. Donc, ça a duré pendant des mois, il a fait plein de films. Donc, il faisait les films, et le lendemain, je crois, il les montrait à ce même public, à ces mêmes paysans, à ces mêmes ouvriers. Qui devaient être émerveillés. Et là, c'est là que Medvedkin, qui était vraiment un communiste, pur et dur, qui croyait vraiment dans le communisme, et là, il a été très surpris, parce qu'il s'est rendu. C'est là qu'il a découvert que les kolkhoz, ça ne marchait absolument pas, que les soviets, ça ne marchait absolument pas. Par exemple, les kolkhoz, on disait, c'était une boutade, mais on disait, un paysan qui travaille bien peut mieux travailler que 500 paysans dans un kolkhoz. C'est une image, mais ça veut tout dire, quoi. Ouais. Et on sait que le pouvoir soviétique n'a jamais pu faire marcher ces choses-là, parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, l'entreprise ou la paysannerie, enfin l'agriculture, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Et donc, lui, et toutes ces rencontres qu'il avait pu faire, de tous ces paysans qu'il a rencontrés, tous ces ouvriers, tout ça, ça lui a servi de faire Le Bonheur. Donc, il a repris plein de personnages comme ça qu'il avait vus dans la vraie vie. Mais il n'était pas déçu, justement, s'il était naïf, c'est-à-dire que petit à petit, il a été un peu déçu. Il y a une séquence absolument extraordinaire où il y a tout le grain qui a été amassé par le kolkhoz dans une petite maison. Et donc, le personnage principal, il doit garder cette maison. Donc, les autorités lui ont donné un fusil. Il doit garder la maison. Et ils réussissent, les types, les voleurs, si on peut appeler ça comme ça, à transporter la maison. Donc, ils sont au moins une vingtaine, ils partent avec. Et la maison disparaît, quoi. Enfin, c'est une histoire de fou, mais c'est une image, c'est des choses qu'il a vraiment découvert dans la vraie Russie. Du coup, c'est quoi son image du bonheur, parce que bah, son image du bonheur, elle va un peu dans tous les sens, parce que, pour lui, enfin, à mon avis, si je veux analyser un peu. Lui, au départ, je pense qu'il croit vraiment au bonheur, et en même temps, il y a beaucoup de désillusions. Et ça se sent, mais en même temps, c'est un type qui est vraiment un poète. Donc le poète aussi, il recherche toujours aussi le bon côté des choses. Quand il montre la fleur, il la montre très très belle, quoi. Et donc,
bon, c'est mais vous ressentez comment, avec quelle émotion de ce film, c'est-à-dire c'est un film optimiste ou vous dites ah en fin de compte non, c'est vicié. Non, c'est ni optimiste ni pessimiste, c'est presque un poème en fait, c'est un poème sur la vie et rien n'est simple, c'est-à-dire que à un moment donné, le personnage décide de se suicider parce qu'il a eu tellement d'ennuis, il décide de se suicider et donc il fabrique son tombeau. Ça, c'est très russe. Il fabrique son tombeau, il se met dans son tombeau et là, les autorités arrivent en lui disant non, vous n'avez pas l'autorisation de vous suicider, donc vous allez être fouetté, mais vous n'allez pas mourir. Et donc il y a des choses comme ça, il y a les anachronismes du système soviétique. Il y a une forme d'ironie en fait. C'est très ironique. Oui, et en même temps, il y a beaucoup d'ironie. Quoi. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi sur Medvedkin, il y a Chris Marker qui connaissait bien Medvedkin parce qu'il allait le voir assez souvent. Enfin, chaque fois qu'il allait en Union soviétique, il rencontrait Medvedkin, donc il l'avait filmé. Et après la chute de l'URSS, Chris Marker a fait un film de 2 heures sur Medvedkin, qui est très très beau, qui s'appelle Le tombeau d'Alexandre, et qui est un film sur l'œuvre cinématographique de Medvedkin, mais en même temps sur le cinéma soviétique en général, parce qu'il y a beaucoup d'extraits aussi de plein d'autres cinéastes, mais aussi sur l'URSS aussi. C'est un film magnifique qui mérite d'être vu, quoi. Et Le Bonheur, c'est un film qu'on peut voir facilement parce qu'il existe, il a été édité en DVD par plusieurs éditeurs, par Backfilm, je crois, les éditions du Montparnasse aussi l'ont édité. Ouais, donc c'est un film qu'on peut voir. Mais on retrouve cette naïveté aussi, je trouve, dans le film de Varda, qui n'est pas naïve d'ailleurs. Voilà, je voulais revenir sur le film de Varda. Alors, ce film de Varda, pour moi, c'est un des meilleurs films d'Agnès Varda, déjà, qui est une cinéaste. Pourtant, quand on lit sa bio, ils font pas ressortir ce film-là. Alors, pour moi, Agnès Varda, elle est un peu, elle fait partie de la catégorie de la même catégorie de certains cinéastes comme Wimal, qui sont capables du meilleur comme du pire. C'est-à-dire que quand ils atteignent le meilleur, ils sont vraiment géniaux. Par exemple, les meilleurs films d'Agnès Varda, pour moi, sont très au-dessus des films de Truffaut, si on veut parler de la nouvelle vague. Elle ne fait pas partie de la nouvelle vague, ouais. Agnès Varda. Ce qu'on appelle la nouvelle vague, c'est très simple, c'était le quintet qui écrivait au cahier du cinéma, c'est Godard, Truffaut, Rivette, Romer, Chabrol. Après, tous les cinéastes comme René, Agnès Varda ne sont pas de la nouvelle vague, ou Chris Marker, ce sont des personnes qui sont arrivées comme mal en même temps que la nouvelle vague, mais ils ne font pas partie de ce courant de la nouvelle vague. Ils ont été assimilés quand même. La nouvelle vague, ce sont des cinéastes qui écrivaient au cahier du cinéma. Donc les cinéastes dont je viens de parler n'écrivaient pas au cahier du cinéma. Alors, la nouvelle vague, à l'époque, c'était des cinéastes qui étaient... ils étaient de la rive droite, ils étaient plus à droite. Et des cinéastes comme Agnès Varda, Chris Marker, Alain René, ils étaient de la rive gauche, et c'était des cinéastes plus à gauche, à l'époque. Après, avec les années 60, ça a changé. Mais dans les fin des années 50, c'était ça. C'est Georges Chadoul, l'historien, qui explique bien ça, mieux que ça, qui a vécu la nouvelle vague et qui connaissait tous les films, tous ces cinéastes et tous les films. Alors pour Agnès Varda, donc Le Bonheur, vraiment, ça fait partie de ses meilleurs films. Peut-être même c'est son meilleur film. Et donc ce film n'est pas très prisé par les critiques pour une raison bien simple. C'est qu'à partir des années 60 et surtout des années 70, Agnès Varda est devenue une cinéaste un peu féministe, entre guillemets. Elle a été revendiquée par les féministes. Alors, il est évident que Le Bonheur, c'est pas du tout un film féministe. Je dirais pas que c'est un film anti-féministe, non, je dirais pas ça. Mais c'est pas du tout un film féministe. Et la dernière fois que j'avais vu Agnès Varda, il y a 2 ans par là, donc je lui avais dit que j'avais revu Le Bonheur, que j'avais beaucoup aimé, et elle me dit, elle n'était pas très chaude qu'on défende Le Bonheur, et je trouve ça vraiment dommage, parce que, bon, maintenant, elle fait partie, elle a une image de marque féministe, donc elle ne peut plus dire vraiment beaucoup de bien du Bonheur, parce que ça serait mal vu. Mais en quoi ça ne rentre pas dans cette image-là, je ne comprends pas. C'est-à-dire dans parce le que film, quelque part, on pourrait l'interpréter de manière féministe, en se disant, sans raconter le film... Non, mais on peut même pas le dire. Non, parce que l'histoire quand même du film, c'est l'histoire d'un couple qui s'entend très très bien, qui vit dans d'ailleurs, une sorte de bonheur. D'ailleurs, c'est un couple à la ville aussi. Oui, bien sûr, c'est Jean-Claude Drouot. C'était sa femme qui jouait le rôle, elle s'appelle Claire, et ses enfants. Et il est toujours marié avec cette femme. Voilà, et justement, parce que quand on achète le DVD du Bonheur, dans le bonus, il y a plein de bonus qui sont réalisés par Agnès Varda, qui sont vraiment très très bien faits. Et donc on retrouve Jean-Claude Drouot et sa femme Claire Drouot, et qui justement, qui racontent, qui sont toujours ensemble, qui racontent un peu leur vécu après...
depuis 1965, donc oui. ça remonte à moi. Voilà. Mais quand même dans le film, donc il y en a un couple qui vit heureux, qui vit dans le bonheur, d'une certaine façon. Et puis à un moment donné, dans ce couple, l'homme a une maîtresse avec qui il tombe amoureux. Et donc un jour, il dit à sa femme, voilà, je vis avec aussi une autre femme, mais je t'aime tout autant toi, donc il n'y a pas de raison de se séparer. Je ne t'enlève rien. Voilà, donc on reste ensemble. Ça, ouais. Et elle le prend mal, et on suppose, parce qu'il n'y a rien n'est dit, rien n'est explicite qu'elle se suicide. Enfin, cela dit, c'est une supposition. Je pense qu'elle se suicide, mais on peut très bien faire une analyse contraire en disant que c'est un accident. Oui, mais elle est quand même partie, elle a disparu, elle est allée loin et on la retrouve dans l'eau. Donc... Voilà, donc bon, on suppose que c'est quand même un suicide. Et donc, bon, ça c'est une chose, mais après, on pourrait imaginer que Jean-Claude Rouault, qui joue l'homme, soit dans une période noire. Terrible, et pas du tout pour lui. Culpabilité, donc, ça ne change strictement rien. il épouse sa maîtresse, et donc et son bonheur, lui, n'a absolument pas changé. Il continue, donc il a changé de femme. C'est dérangeant, quoi. Bah oui, c'est pour ça que les féministes n'aiment pas ce film. Alors, pourquoi elle l'aime pas alors que ça pourrait dire « Regardez le méchant homme !» Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Et donc, alors, c'est un film qui est très pictural, il y a un travail fantastique sur les couleurs. C'est merveilleux. Il y a donc, c'est-à-dire même que les cadres, c'est pur. Non, non, c'est bucolique, c'est pur. Oui, et donc, c'est la particularité aussi, il n'y avait pas tellement de films dans le cinéma français de l'époque. Il est tourné entièrement en banlieue, il est tourné à Fontenay-aux-Roses. Et on baigne, c'est vrai, bon, à l'époque, la banlieue. Elle n'avait pas du tout une image péjorative comme aujourd'hui. Oui. À l'époque, ça avait au contraire une image plutôt positive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque du film, les gens qui habitaient en banlieue, travaillaient en banlieue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le va-et-vient entre Paris-banlieue, ou dans les deux sens. C'était un vrai lieu donc, de vie. C'est-à-dire qu'en banlieue, les personnes qui habitaient en banlieue, ils avaient absolument tous les commerces autour de chez eux. En plus, les appartements étaient neufs, c'était une accession, je suppose, à des endroits de vie agréables. La banlieue, elle était, à l'époque, elle était extrêmement agréable, elle était habitée par la classe moyenne française. Dans les banlieues en général, je ne parle pas de banlieue chic, mais en général la banlieue, c'était comme ça. Les gens étaient très heureux en banlieue. Ils n'avaient pas du tout envie d'aller à Paris. De temps en temps, ils allaient à Paris le week-end, un dimanche, aller au théâtre voilà, ou au cinéma. Mais en banlieue, il y avait absolument tout. Les personnes qui vivaient en banlieue restaient... Il y avait certaines personnes, ils ne mettaient jamais les pieds à Paris. Jamais. Donc, ils étaient heureux en banlieue. Et donc, le film montre très bien ça. On voit, il y a les guinguettes. C'est génial parce que ça nous replonge. C'est un documentaire sur l'époque aussi. C'est fabuleux. On dit toujours que le cinéma est un documentaire en même temps sur l'époque. Mais là, ça l'est encore plus. Ce qui est étonnant, c'est la façon dont il parle. Ça paraît, ce côté un peu naïf, un peu... la façon dont il parle à sa femme, la façon dont il parle à sa maîtresse. Oui, il se parlait quand même pas comme ça à l'époque. Il y a tous les cas de figure, mais il y a des gens qui se parlaient comme ça. Si, bien sûr. Ça paraît tellement étrange. Mais non, mais on était dans une société qui n'avait pas été encore atteinte par la violence. À l'époque, aux États-Unis, ici, la violence était déjà forte. En France, ça commençait simplement. Et là, on voit que c'est un endroit qui n'est absolument pas touché par ça. Ouais, c'est... Le début de la violence, c'est la création des grands ensembles. C'est, disons, au début des années 60, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Donc, il y a tous les pieds noirs donc, qui sont expulsés d'Algérie, qui viennent s'installer en France. Donc, il faut construire des immeubles à toute vitesse, parce qu'on n'a pas de quoi les loger. Donc, on commence à créer des grands ensembles dans les banlieues. Donc, ça va être le début de ce que va être la violence. Mais en 1965, elle n'existe quasiment pas encore, la violence. Il y a des noyaux de violence, comme il y a... Toujours existé. Il y a des fous à droite, à gauche. C'est une violence qui est le millième de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ce que le film montre, ça montre vraiment la banlieue telle qu'elle existait. C'est bucolique. Les gens sont contents de vivre leur vie. Elle n'est pas factice, la nostalgie des gens qui ont vécu cette époque. Puis, on croyait que c'était un film d'aujourd'hui,
qui regarde le passé, qui est nostalgique, avec des, avec des couleurs absolument flamboyantes, des couleurs d'ailleurs qui seraient impossibles de faire aujourd'hui avec les pellicules de cinéma, parce qu'elles sont beaucoup trop réalistes, alors qu'à l'époque, on avait encore des pellicules qui étaient, où les couleurs étaient très tranchées. Donc dans, dans son film, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des bleus qui sont magnifiques. C'est vraiment un travail de peintre aussi. Oui, complètement. Bon, Agnès Varda a commencé à faire des expositions d'art plastique dans les années 2000, mais déjà, 40 ans avant, on voit qu'elle a déjà un talent de peintre. Ça éclate aux yeux. Et donc, le bonheur d'Agnès Varda, c'est vraiment un bonheur français. C'est un bonheur que le couple qu'elle montre dans ce film, ou ce trio qu'elle montre dans ce film, c'était un bonheur qui était habituel à cette époque-là. Alors, il n'y avait pas que des gens heureux, il n'y avait pas que des gens qui vivaient dans le bonheur à cette époque-là, évidemment. Mais disons que c'était simple, il y avait quelque chose de simple. C'est une époque très différente. C'était les débuts de la société de consommation, mais c'était que excès. Le début. Ouais, donc ça se sent. Mm. Donc les gens sont satisfaits du lieu où ils habitent, ils sont satisfaits de leur travail, ils sont satisfaits de la ville où ils habitent, ils sont satisfaits de tout. Quand vous voyez, vous voyez le bonheur, et pas seulement le bonheur des films de cette époque-là, vous regardez les films, vous voyez les gens sont heureux. Tous les personnages, même si c'est des parce qu'il y a encore les structures familiales qui sont présentes. Totalement, bien parce sûr. Parce qu'il y a plein de choses qui ont disparu aujourd'hui. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, si vous promenez dans la rue, vous vous amusez par exemple à regarder les visages des gens, et la plupart des gens font la gueule. C'est très rare de voir des visages joyeux. Alors que c'était encore une époque où les gens se sentent bien dans leur peau, ils sont heureux. Et c'est une époque qui va durer jusqu'à, je dirais, la moitié des années 70, fin des années 70. Après, on vraiment bascule dans une société moderne, hyper moderne. Et donc, ce film-là est un témoignage aussi d'un certain état de vie de l'époque. Moi, chaque fois que je vois ce film, parce que c'est un film que j'ai vu souvent, je l'ai vu en projection, et après je l'avais vu en VHS, après je l'ai vu en DVD, puis j'ai dû le voir aussi à la télévision. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, parce que il nous apporte un témoignage incroyable sur les années 60, et c'est un témoignage beaucoup plus intéressant que beaucoup de cinéastes de la Nouvelle Vague. De l'époque de la Nouvelle Vague, qui est un peu plus Nouvelle Vague, qui est un peu plus, je sais pas comment dire, les gens cool, alors que là c'est vraiment la vie... La vie d'une famille au travail, parce qu'on le voit au travail, il est menuisier. Oui, bien sûr. Alors, il y a une séquence qui est très amusante, parce qu'après la mort de sa femme, donc, il revient travailler. Et donc, à un moment donné, donc, il y a un transistor, parce qu'il travaille avec le transistor. Oui, est-ce qu'il peut rallumer la voilà, musique. Donc, en fait, je crois que c'est le responsable de la menuiserie, c'est son beau-père. C'était son beau-père. Et donc, et à un moment donné, on lui demande est-ce qu'on peut couper la radio, si ça te dérange, parce qu'on comprend que dans l'état dans lequel tu es. Aujourd'hui, ça ne serait pas pensable, parce que les gens n'ont pas cette qualité de vie et cette politesse envers les autres. On ne passerait pas à demander ça. Alors que là, ça paraît tout naturel. Je lui dis, voilà, si ça te dérange, on coupe la radio, bien sûr. Tu vois, alors que ça leur coûte, parce que pour eux, c'est vachement intéressant d'entendre des chansons, ils travaillent en chansons. Ouais. Mais ils accepteront tout à fait si le personnage leur dit, ah ben oui, coupez, parce que là, je ne me sens pas bien, coupez la radio. Voilà, c'est un rapport, disons. Ce sont des rapports humains et des rapports sociaux qui n'existe absolument plus aujourd'hui, donc c'est fabuleux, parce que même si le cinéma est jeune, en fait, il nous ouvre des fenêtres sur d'autres époques, sur d'autres comportements, sur d'autres mentalités. Le cinéma est toujours un documentaire. Alors on dit tout, c'est Jean Renoir qui disait le cinéma est un documentaire sur les acteurs, ce qui est complètement vrai, parce que quand on filme des personnages, en même temps, ils sont eux-mêmes, on filme leur âme. Oui. Mais en même temps, c'est toujours un documentaire sur l'époque. Même vous prenez le plus mauvais film, ça sera un documentaire sur l'époque. C'est pour ça que, par exemple, quand on voit des vieux films, même si c'est des pires navets, on va apprendre plein de choses sur l'époque de leur réalisation. Et c'est ça qui est fantastique avec le cinéma, qui est différent des autres arts, c'est que ce côté documentaire nous permet de pouvoir regarder un mauvais film. Un mauvais livre, on va arrêter au bout de la page 5 ou 10, voilà, on va laisser tomber. Une mauvaise peinture, qui est d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, on ne va pas la regarder, on va dire non. Bon. Alors qu'un film, on peut très bien regarder, du début à la fin, même si on ne s'intéresse pas à l'histoire,
On va voir plein de choses sur l'architecture, sur le mode de vie, sur la mode, sur les chansons qu'on écoutait à l'époque, sur la façon de parler, sur les accents aussi. Dans ma famille, il y a des petites vidéos qui ont été faites dans ma famille. Je viens de Bretagne, donc c'est de voir tout le monde en habit traditionnel, de voir... C'est fascinant. Je veux dire, il n'y a pas de son, il n'y a pas de montage particulier, mais moi, je pourrais regarder ça... C'est extraordinaire, c'est à une, deux générations de nous quand même. C'est complètement fou l'évolution du monde. Oui. Est-ce que le cinéma, il a pu être le témoin de cette époque de transition extraordinaire? Le monde va de plus en plus vite, mais il y a un chef-d'œuvre du cinéma qui a été tourné en Bretagne, c'est Finistère de Jean Epstein, alors qui est un film du début des années 20, je n'ai pas l'année exacte, qui est un film qui est extraordinaire. qui nous montre, c'est un film de fiction, parce que ça raconte une histoire de la vie de Breton, mais en même temps c'est un film complètement documentaire quand on voit le film. Faut que je le trouve, faut que je regarde ça. Il suffit de faire appel à moi, je peux faire quelque chose. Écoutez, merci beaucoup, c'est génial, on a exploré le bonheur par le cinéma, ce que je n'avais jamais fait jusqu'ici, donc je suis super contente. Je suis heureux d'avoir contribué à ce bonheur-là. Ah, merci beaucoup, à très bientôt.